Salut, bonjour. On reprend la conférence de Julie Phelps. Lors de. C'était quand? C'était en 2019, a priori récemment. Donc, elle nous parlait de plein de choses. Elle nous parlait d'ITI, d'OVNI, enfin, pas d'OVNI d'ailleurs, de vaisseau, de deux qualités, hein, le tous les boulons. Moyenne gamme, on va dire, et le vaisseau hyperdimensionnel. Et donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser justement à ces deux sujets. Vaisseaux spatiaux et, on va dire, entités. Bon, entités, mais là, on est dans l'entité palpable, hein, en général, qui peut se rendre palpable, au moins. C'est donc pas des pulp fiction. Et donc là, Julie nous a pris une photo depuis l'arrière de sa maison. Voilà ce qu'on voit. Donc, il y a quatre éléments sur cette photo, hein. C'était au Canada. Elle a vu un vaisseau derrière qui allait et venait. Enfin, je dis derrière sa maison. La revoilà en bien gros plan. Donc en clair, au milieu, un gros vaisseau et sur les bords, des petits vaisseaux. C'était un vaisseau pléiadien. En fait, on peut distinguer cinq couleurs, au moins deux, mais quand on était. Enfin, elle dit qu'elle en a vu cinq. Elle avait d'autres photos qui ont été détruites et d'autres qu'elle aura du mal à retrouver. Elle est poursuivie, hein, plus ou moins. C'est-à-dire que les gens et les endroits chez qui elle a pu habiter ou à qui faire confiance peuvent très bien avoir changé d'avis, donc. De manière certaine, et lui piquer ses affaires. Et tout faire pour la décrédibiliser, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est plausible. Ça, c'est une autre photo qu'elle a prise. Alors, je découvre avec vous, hein. Moi, ça me rappelle les photos qu'on avait prises, pas nous, hein, qui avaient été prises autour du mont Shasta, dans l'espace. Il y avait plein de vaisseaux, hein. Il y en avait 5, 6, 7, 8, si je me rappelle bien. C'est une petite vidéo il y a quelques mois sur ma chaîne. Je devais parler du Real Jimmy Roberts One. C'est le site d'origine. Donc, elle a, pour établir ces faits-là, d'autres photos. Elle a des témoignages. Elle nous dit qu'elle a aussi des preuves physiques. Donc, les témoins à Kingsville, au Canada, et comme c'est en plus une réserve indienne locale, comme il y en a une, il y a plein de ce genre de témoignages. Des fois, ça passait même aux nouvelles locales, à la télé, ou, je sais pas, nouvelles locales, donc radio, télé, journal. Et bon, on sait plus ou moins qu'il y a une base ITI sous le lac Erie. Alors, on a un gars dont l'ADN en plus est très Anunnaki, il semblerait, quoi. En tout cas, humainement parlant, il est anormal et qui a souvent des contacts. C'est un musicien, j'ai pas son nom en tête là. Il a fait une interview avec Bob Dylan chez lui, là, près du lac Erie, à une. Voilà. Une des dernières interviews que Bob Dylan ait données. Donc ici une autre photo. Elle nous dit que c'est un vaisseau qui sort d'un portail. Alors, qu'est-ce que je vois moi? Ben, je pense qu'on va avoir un agrandissement, mais là tout de suite, eh ben, on voit ce point lumineux fort. Et derrière, un point bleu dans une aura, un halo. On dirait que celui-là est vertical quelque part et que celui-là est plutôt horizontal. Voilà le gros plan. Alors, celui de gauche, je le vois plutôt horizontal et celui-là plutôt vertical. En fait, les deux sont dans des halos. Alors, la tache bleue, comme ça, je n'avais jamais vu des trucs pareils. Bon, là, c'est une photo qu'elle a prise dans un parc. Elle nous dit qu'elle est tombée face à un portail. Et bon, ben, franchement, vous voyez ce que je vois là? Parce qu'effectivement, ce petit halo bleu ici et son environnement plus subtil pourrait être une lens flare, hein, un reflet. Quoi qu'il soit même pas dans l'axe
du soleil quelque part. Là, on voit un rayon. Il n'est même pas dans l'axe du soleil. Et puis, mine de rien, on a aussi un énorme assombrissement là. Je suis en train de regarder si je ne vois pas un Bigfoot à côté, quoi, parce qu'il va avoir cette hauteur-là aussi. Bon. Donc, elle nous dit que ces deux photos ont été prises le même jour et qu'elle pense qu'il y a une connexion. Donc, voici un schéma qu'elle a fait, qui a dû inspirer la petite maquette qu'elle a. C'est un vaisseau hyperdimensionnel, hein, ça c'est le haut niveau, ça. Le vaisseau intelligent, là, vivant, à la peau vivante en tout cas. Donc, a priori, c'est celui qui a inspiré sa manufaction pour celui-ci. Bon, elle dit qu'il n'est pas vraiment précis hein, au niveau du dessin. Le voilà en super gros plan. Voilà un dessin du tableau de bord. Elle nous dit que le panneau a la possibilité de changer de forme et que toutes les connexions sont organiques à la base, un petit peu comme un système nerveux. Et elle dit que cet être, ce vaisseau, crée son propre vide quantique, son champ de vide quantique autour de lui-même. C'est ce qui le protège à peu près de tout. Ah non, ça ne le protège pas uniquement de tout. Le vide quantique, ça lui permet d'apparaître n'importe où sans avoir besoin de passer par des portails ou des wormholes. Et le système de protection, c'était sur un autre vaisseau. A priori, peut-être plutôt les boulons, là. Celui qui ressemble à une toupie. Non, j'en sais rien s'il est plutôt les boulons, mais je dirais. Parce que celui-là, en tout cas, là, est d'une meilleure qualité dimensionnelle. C'est l'autre gamme. Bon, ben, j'aurais dû attendre un peu. Le voilà en gros plan. Elle a encore écrit quelque chose. Là, mais alors là, je ne vais pas pouvoir. Didn't get. Elle a des contacts avec quelqu'un qui a travaillé sur la guerre du Vietnam autour d'armes laser et d'armes qui lui permettent de désintégrer un corps à l'intérieur d'un véhicule, par exemple. Des choses qu'ils ont expérimentées au Vietnam. Donc, c'est des choses qui avaient déjà été développées avant eux, mais qu'ils ont pu mettre en application au Vietnam. Le Vietnam, c'est il y a longtemps, hein, c'est les années 70, enfin, un peu avant. Puisqu'en 63, Kennedy s'est fait un peu allumer à cause de sa position sur la guerre du Vietnam. Oui, plutôt les années 60, on va dire. Et même avant. Bon, c'est des renseignements qu'elle a eus, mais parce que le gars, il a un cancer terminal et il n'en a plus rien à fiche de ce qu'on peut lui faire. Donc, a priori, ce qu'on voit là sur le côté, c'est par là que sort l'oxygène pour les occupants du vaisseau, l'atmosphère. Il y a une sorte de liquide bleu qui pourrait être comparé à la black goo, mais qui n'en est pas, qui permet à tout le vaisseau de communiquer à l'intérieur par ces systèmes de tuyauterie, quoi, de câblage. Et donc, depuis la console, il y a des hologrammes disponibles. Elle nous dit que le vaisseau peut créer sa propre dimension, comme une dimension de poche à l'intérieur, c'est-à-dire une bulle, on va dire une bulle dimensionnelle. Bon, ça c'est une autre photo qu'elle a prise, mais c'est un vaisseau alien avec lequel elle a fait une séance de remote view, et avec le vaisseau et avec les occupants. Donc bon, moi si je fais une séance de remote view que sur un vaisseau alien qu'après je sors et je peux le prendre en photo, même si la photo est aussi floue que ça, je suis déjà super content. Puis si ça se trouve, voilà, je ne sais pas quel filtre elle a dû prendre pour l'avoir. Donc voici les gens qu'il y avait à l'intérieur de ce vaisseau. Et ils se font appeler la famille de lumière. Grand, gris. Et quatrième dimensionnel, de la haute quatrième dimension. Donc le haut astral. On n'est pas encore sauvé hein, de toutes les possibilités. Donc la communication, c'était que là, ils n'avaient pas le temps de communiquer parce qu'ils allaient à un meeting.
Donc, quelque part, lors de ces remote view, elle peut s'intéresser à la propulsion, au niveau mécanique, en tout cas de la propulsion, parce que c'était son boulot sur Terre. Cette illustration de l'ouroboros, du serpent qui se mange la queue, peut être une illustration de la façon de fonctionner de certains moteurs, propulsion. Il y a une sorte de substance bleu-noir qui circule à l'intérieur d'un cercle comme ça. Et donc, ça crée un champ. Un peu la même idée qu'avec le mercure, vous savez. Bon, ce n'est pas la même substance, mais le mercure de Vimana. Donc, plus le champ se crée, plus le liquide qui est dedans est propulsé rapidement. Et ça crée donc un champ d'ascension. Ils ont besoin d'un système électromagnétique à l'intérieur pour y survivre. Donc, ils ont des génératrices aussi de champs électromagnétiques à l'intérieur. Ça leur permet de survivre aux accélérations et autres manœuvres qu'ils font. Tandis qu'à l'intérieur, même si à l'extérieur, vous le voyez faire un zigzag comme ça ou un aller-retour, à l'intérieur, vous ne sentez rien du tout. Donc, n'imaginez pas qu'un virage à 90 degrés dans un de ces vaisseaux-là vous tuerait. Tandis que sinon, oui, évidemment. Donc, il semblerait que les pilotes, s'ils ont exercé avec leur jet trop de force G lors de leur sortie, vont le signaler à l'équipage au sol, qui va devoir appliquer des exercices de contrôle et même des rayons X particuliers sur certaines parties du jet pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissures ou tout ça avec un de nos jets. Le vaisseau, là, est formé d'une sorte de mix de fibres de carbone et de céramique. Donc, les vaisseaux noirs, là, c'est fibres de carbone et céramique mélangées. Par contre, depuis qu'elle est de retour en Angleterre, elle s'est fait réactiver par le programme spatial secret. Et elle se réveille le matin, elle a des marques d'injection sur les bras. Donc, elle se fait abducter par les militaires. Donc, hein, on va dire les militaires de la Breakaway Civilization. La raison pour laquelle elle se fait embarquer de force, là, c'est parce qu'il y a une guerre non déclarée en ce moment qui implique des dracos. Ça implique du trafic de morceaux humains. Ben, voilà quoi. Ils essaient de rapatrier du matériel humain en tant que nourriture. Il y a un regain d'activité de la part des Pléiadiens et de la partie bienveillante. Donc, elle va continuer à participer, à les aider. Disons quelque part qu'elle est d'accord, quoi. Elle dit, ah ouais, non, mais je veux bien aider à ça. En plus, il semblerait qu'il manque un petit peu de pilotes capables de s'occuper de ces vaisseaux hyperdimensionnels. Et en plus, il n'y a pas besoin d'être physiquement apte pour les piloter. Ce qui la fait bien rire, parce qu'effectivement, elle est un petit peu d'embonpoint, on va dire. Donc, elle a vu ça démenti donc, sur Mars. Mais elle a aussi pu communiquer avec eux sur Terre. Bon, un petit dessin du vaisseau. Et donc, a priori, c'est effectivement celui qui aussi a le champ de force d'un bout à l'autre qui le protège. Donc, voilà, oui. Donc, ça, c'est un vaisseau mère pléiadien, vaisseau de cristal, avec un moteur de cristal et un emballage plasmatique, un cœur plasmatique au sein du cristal. Bon, ça, c'est l'autre vaisseau hyperdimensionnel. Donc, les deux derniers dessins qu'on a vus, hein, c'est du fait main. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre ces vaisseaux-là avec une photo nette. C'est parce que l'air autour de ces vaisseaux-là n'est plus net du tout, quoi. À la limite, c'est une preuve comme quoi le vaisseau est en activité, que c'est un vrai vaisseau, le fait que la photo soit floue, suivant quel flou. Ben alors maintenant, je suppose quand même qu'il y a moyen de différencier des flous de laboratoire, CGI, avec ces flous-là. Mais bon. Il y a toujours des gens qui veulent truquer, et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de truquer, donc ils n'ont pas le même état d'esprit. Oui. Quand on sait que ça existe, on n'est plus autant sur la défensive, mais ça tombe bien, quoi. Puisqu'on voit les CGI beaucoup plus facilement. On a l'habitude, on s'est fait l'œil.
il y a des trucs qui nous qui font que c'est là, ça rend la photo évidente, réelle, crédible. Enfin, sans pouvoir mettre la main au feu et jurer professionnel, non, mais bon, quand même, quoi, ça suffit. De toute façon, je vous dis, hein, sur 500 observations, il suffit qu'il y en ait une, ou même sur 100 observations, il suffit d'une observation inexplicable avec preuve et tout ça pour justifier de la présence. Ils ont plus de combien par mois d'observations ? 5000 observations, je crois, par mois. On en prend 10%, il en reste 500 sur les 500. Vous dites, allez, je déconne encore, on en prend la moitié, il en reste 250 preuves. Non, mais en fait, maintenant, là, il y a une sorte de zombisme et de traumatisme mental. Comment on dit, ça provoque une dissonance cognitive. Les gens voient la soucoupe, ils disent oui, mais ils ne comprennent pas. C'est l'expression que je veux traduire quand je dis vous vous levez là avec la gueule de bois pendant 3 mois. Quand vous commencez à comprendre ce qui se passe vraiment. C'est parce que tous les matins, vous dites, attendez, c'est vrai là? C'est quoi déjà l'histoire dans laquelle on est embarqué là sur Terre, dans la galaxie, avec les intels? Et nous, là, voilà, on ne s'occupe que de l'ambiance qui sort de la télé, quoi, enfin, décrite par la télé, on va dire. Hein. D'accord. Et donc, je vais discuter là sur des chats avec des gens qui vont se baser sur ces données issues globalement du monde télévisé pour gérer un avenir, alors qu'ils ne connaissent même pas ni le passé ni le présent de notre situation autour de la télé. Et que je vais avoir du mal à amener les preuves du fait qu'il y a plus que juste ce qui sort de la télé. Mais bon, voilà. On y arrive. Petit à petit. Il faut généraliser les sources de renseignements. Ça aide. Vous constatez à quel point on s'est trompé dans les autres renseignements. Il y a des fois où on a nié des choses, il fallait en nier qu'une partie. Parce que c'est la partie qui justement a été rajoutée pour décrédibiliser le tout. Et puis il faut compter sur les aides de ceux qui vous disent « Ah papa, t'as oublié ça » ou « Ah, tu ne penses pas que si ». Ça aide aussi. Donc elle a fait un modèle d'un pléiadien bleu. Donc, ça vous donne une idée, quoi. Donc, vous avez là une entité humanoïde qui n'est pas humaine, et ni terrestre. Bon, elle ne brille pas comme ça, peut-être, normalement. Hein. Non, mais c'est... D'ailleurs, si ça se trouve, elle brille plus. Imaginez un doux et chaud sentiment d'amour émanant d'elle. C'est vraiment très agréable de pouvoir communiquer avec eux. C'est quand même différent de les voir à la télé, les aliens, ou d'être face à face et de causer avec eux. Et donc, quand vous tombez dans cette ambiance-là, ben voilà, c'est acceptablement agréable. Et bienvenue. Non, ben, je dis bienvenue, parce que d'après Cosmic Agency, il me semble, en tout cas, il faut demander quelque part, mais pas vraiment demander en attendant qu'il se manifeste et qu'il vous file la cape de Superman ou quoi que ce soit, un truc dans le genre. Non. Il faut vous mettre au travail, comme je disais, dans l'autre vidéo, je ne sais plus laquelle, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. À partir du moment où vous appelez la compassion par la manifestation d'un travail, d'une attitude, de réaction et de protection de la vie en ce moment vis-à-vis de la guerre du bien contre le mal, vous donnez envie qu'on vous aide. Et à partir de ce moment-là, l'aide va être plus disponible, en tout cas, que si vous attendez du sonnant trébuchant tous les boulons. Quoi. Parce qu'ils sont à la limite de la première directive de non-intervention sur une espèce inférieure. Ils sont à la limite. Donc là, il y a un territoire sur lequel, dans cette mesure-là, ils peuvent intervenir. D'autant plus qu'il y a une attaque renforcée et que les autres ont une action qui permet cet encart dans la première directive. Lorsqu'elle a eu un incident avec des reptiliens et qu'elle en était terrifiée,
Elle a apprécié leur aide, a priori, parce que là, elle change de sujet, et donc là, elle nous montre une autre créature qu'elle appelait Helioaheron. Alors, c'est une plante guérisseuse qui existe sur Mars, avec laquelle elle a été en connexion. Ah, mais c'est chaud! Donc, par le biais de ses tentacules, qui sont guérisseurs si vous les touchez, ça lui permet aussi de survivre quasiment dans tous les environnements. Elle peut se protéger, rétracter ses tentacules dans sa coquille, un peu comme certaines créatures qu'on connaît aujourd'hui qui peuvent survivre dans l'espace. Oui, le plantigrade, hein, l'ours des. Ils appellent ça un ours, parce que ça ressemble à... Non, ça ressemble pas du tout à un ours, ça ressemble à un ver. Oui, que le DARPA essaye de faire des échanges d'ADN entre lui et nous, de façon à faire des super soldats de l'espace qui ont la capacité, un, de pouvoir être mis en cryogénie en cas d'accident, de façon à avoir le temps d'être ramenés jusqu'aux urgences et d'être réparés, et deux, de pouvoir passer en cryogénie pour des voyages spatiaux de longue durée. Voilà une autre manière d'améliorer l'humain. Avec quasiment des contingences quasi obligatoires. Si on estime obligatoire de devoir faire des voyages à longue durée dans des vaisseaux tous les boulons, c'est bien clair. Ah oui, il y a encore, je ne sais pas, 60% des océans et du fond des mers à développer, à découvrir et à nettoyer. Hein, parce qu'il y a des coins qui sont déjà pollués alors qu'on n'y a pas encore mis ni les pieds ni la nageoire. D'eau. Il n'y a plus de vie dans le Pacifique, hein, je rappelle comme ça, globalement, en passant, ça n'a rien à voir peut-être, mais on a du boulot, quoi. Les autres, pendant ce temps-là, ils continuent de polluer. Ils nous empêchent de réagir, ils détournent ceux qui veulent réagir dans des groupements politiques manipulés par Soros et autres. Et tout ça a amené nos agendas 21, agenda 2030, Smart City, intelligence artificielle, 5G, Skynet, Big Brother, enfin, mais... Mais vous, ouais, vous voyez bien, hein, ils bouffent des hommes, ils commencent à se servir des vieux pour faire du terreau, quand ils sont morts, j'espère. Einstein était au top niveau et il faisait du trafic d'organes et de trafic d'enfants, avec tous ses potes milliardaires, ou enfin beaucoup d'entre eux, qui sont mêlés à tous ces trafics et échanges commerciaux. D'armes, de drogue, de blanchiment d'argent, de renseignements, comment on appelle ça, influence de pouvoir, là. Passage de loi dans un pays, dans un autre, pour arranger telle boîte. Et nous, là, on croit voter, décider des choses, on fait un petit comité de résistance à la 5. Non, 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 non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont même le niveau où ils pourraient dire oui, on arrête et continuer. En faisant passer par la presse le fait qu'ils aient arrêté, alors qu'ils continuent. Elle est à eux, la presse. Les médias sont à eux. En ce moment, là, il y a des scientifiques qui amènent des vraies données sur le climat, qui donc réalistes, hein, influence majeure du soleil, et gentiment, on s'achemine vers une glaciation. Et d'autres phénomènes. Évidemment, la glaciation, c'est la plus cool des phénomènes qui peuvent arriver, là, bientôt. Dire cool, ça tombe bien. Enfin bon, ils aimeraient bien pouvoir communiquer leurs données au public, mais le public ne les a pas parce que la presse et les médias sont quasiment verrouillés par les lobbies qui tiennent à ce qu'on pense en ce moment. Alerte. Le raisonnement tient très 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 bien, hein. Ça s'explique, quoi. Je veux dire, c'est bien pensé. C'est le bon sens je ne vais pas me battre en débat plus ou moins stérile. C'est le bon sens qui, à un moment donné, dit ben oui. Ben oui, si on considère le CO2 comme un poison, on ne peut plus respirer sans être considéré comme polluant, mais ça va amener une taxe. Quoi, ils l'ont déjà prévu? Quoi, ils vendent de l'air? Quoi? Non, non, tout se tient debout. Bon. Voyons voir, voyons voir. Donc, on en était à la plante qui peut survivre dans l'espace et qui a des propriétés de thérapeute, hein, par le biais de ses tentacules. En voici une autre,
Elle appartient aussi à une dimension supérieure. Elle fait à peu près 30 mètres de haut. Là, on est dans les dimensions du film dernier, là, avec cette espèce d'œuf noir qui arrivait, là, et les octopus, même plus qu'octopus à l'intérieur, qui communiquaient avec des ronds de fumée. Vous savez? Ah non, c'est pas de la fumée. C'est de l'encre. Je ne veux pas vous le faire avec de l'encre, ça. Donc, ce n'est pas des négatifs, cela. Hein. De toute façon, tous les hauts dimensionnels, il n'y a plus de négativité. Mais donc, haut dimensionnel, c'est au-delà de l'astral, hein, en tout cas. C'est même un peu au-dessus de la 5e et 6e dimension, il me semble. Il me semble qu'il y avait des gens pas très bien intentionnés, des fois, dans la 6, 7, mais un ou deux, quoi. Genre. Donc, pardon, le biais de contact, comme ça, elle a été mise en contact avec eux, avec d'autres, même des conseils d'entre eux, qui lui permet de dire qu'il y a beaucoup d'entités bienveillantes. Il y a des groupes qui absolument supportent l'humanité et sa libération. Donc, elle décrit ça, c'était dans un hall immense. Et donc, il y avait un groupe d'entités particulièrement gigantesques, donc 30 mètres de haut à peu près. Et donc, ils ont beaucoup de jambes, elle n'a pas pu les compter. Et ils ont aussi beaucoup d'œils, des yeux. Comme le bouillon dans le petit Nicolas. Il dit « Regardez-moi dans les yeux !» Ils ont aussi un peu toute forme de forme et de taille. Il y en avait des tout petits, comme ça. Il fallait presque regarder à la loupe. C'est un petit peu comme dans Men in Black, elle nous dit. Donc, en voici un autre. Ça, c'est donc un guerrier Apkalou de la 4e dimension. Hein, c'est toujours étrange de voir des idées de dimension supérieure et puis des gens armés d'un glaive. Il y a un niveau, enfin j'hypothétique là, hein, j'hypothétise un petit peu, on va élucubrer. Il est probable qu'à un certain niveau, les instruments ne soient que des supports. En fait, c'est le cerveau qui fait tout, mais l'instrument, c'est le support. C'est l'intention qui compte. Donc, cette espèce-là est semblable au raptor. Et ce sont des ennemis des dracos aussi. Alors, par exemple, là, elle nous dit que le glaive qu'il a, le couteau, le poignard, la dague, pour le moins, sert aussi dans les combats rapprochés, on va dire, mais peut s'ouvrir et être une protection contre la négativité. Comment dire, les émotions, tout ça, c'est de l'énergie, là, donc ça se travaille. C'est travaillable, on va dire. Donc, en voici un autre, elle dit, ça, c'est ma rencontre avec donc un draco reptilien. Et bon, pas une bonne rencontre. Hein. Et qui dit, là, sur la... je n'ai pas gravi le chemin jusqu'en haut de la chaîne alimentaire pour ne pas manger quelques humains. Donc, Mars est contrôlée par les dracos. Elle nous raconte une histoire bizarre, là, où elle et son mari ont été confrontés à une attaque de la part des dracos. Quand ça s'est produit, on comprend tout de suite qu'on n'a pas le niveau. Ils sont trop rapides, trop nombreux, enfin, trop efficaces. Ils ont la capacité de mettre un peu tout le monde en hypnose. Il y a eu une abduction de deux personnes, on pouvait les entendre gueuler, dit-elle. Vraiment des cris horribles. Elle en arrivait à penser, pourvu qu'ils nous finissent rapidement. Donc, il mesurait 14 pieds de haut. Il portait une sorte d'armure. Il était vraiment effrayant. Donc, quand vous vous réveillez la nuit face à ça, ça vous calme. N'oubliez pas de ne pas céder à la panique, rajouterai-je, hein, et d'essayer d'en rire au départ. Alors, putain, là, il faut faire quelque chose. Riez. Ah, relâchez. Et puis, action. Adrénaline. C'est jamais, hein, ça peut arriver, donc. Bon, elle, on comprend qu'on s'intéresse à elle, avec ses capacités, avec ci, avec ça. Mais bon,
Elle, s'il la cherche, c'est sûrement pas pour la bouffer, quoi. Par contre, d'autres d'entre nous, sûrement que si. Et on peut se demander d'ailleurs si ces régimes alimentaires qui proposent à l'humanité de devenir obèse n'ont pas un petit peu un petit arrière-goût de gavage-doigt avant Noël ou de chapon, vous savez, les chapons. On leur coupe les machins et on les gave. Après, ça fait une chair fondante et ci et ça. Enfin, je veux pas dire, hein, mais bon. C'est d'ailleurs la réaction que « Vous nous mangez, mais ça ne va pas, non ?» Et les autres, ils disent « Vous mangez bien des vaches et des cochons. » Donc, en fait, vous mangez bien d'autres mammifères. Il faut au moins voir ça, quoi. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a la consommation aussi d'autres produits quasiment humains, mais bon, pas quand même de manière ouverte et à grande échelle, mais... Hein. Alors, voilà, quoi... On n'a pas grand-chose à leur reprocher puisqu'on mange d'autres mammifères. Et je pense qu'ils estiment que les autres mammifères ont la même valeur que l'humain. Bon, on n'est pas tellement d'accord, mais c'est normal, c'est nous la victime. Ils s'en foutent. Eux, entre toutes les vaches, ils ne vont pas... Enfin, ouais, comment dire. Dans un troupeau de vaches, c'est rare qu'il y en ait une qui soit sauvée parce que le berger, il a le feeling avec. Vous voyez, il a un contact mental. Mental. Et ça doit pouvoir arriver. Les tenants de la communication animale ont des rapports émotionnels avec ces animaux-là, des communications, avec une précision et un détail assez fou. Hein, je me rappelle l'histoire du gars dont le cheval avait communiqué à la communicatrice, l'histoire de son père au gars. Il dit, comme ton père s'est comporté comme ça avec toi, tu te comportes comme ça avec moi, et moi, ça ne me va pas. Et le cheval disait tout ça. C'est quand même pas mal comme étude psychologique de la part du cheval pour expliquer pourquoi est-ce que son cavalier actuel n'était pas au point. Hein? Non ? Ah, moi, je trouve ça pas mal. Il y a des trucs comme ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Ça ne leur vient pas directement à l'esprit, quoi. Et là, c'est un cheval qui a ce discours, on va dire. Bon, du coup, pour en revenir, il est clair que consommer d'autres mammifères, c'est peut-être le truc qui nous est le plus reproché. Reprochable. Et donc, on peut se passer, hein. On n'a pas les dents pour manger de la viande, on n'a pas le système digestif pour manger de la viande, on n'a rien pour manger de la viande, en fait. Et quand on le mange, on fait donc une erreur en plus, une erreur mentale, une erreur de respect, le respect d'équivalent, ah, presque. Ça, c'est un terme antispéciste, je pense. Hein. Ouais, là, je suis dans l'antispéciste, mais là, je le conçois, avec d'autres mammifères. Bon, par chance, son mari a aussi fait des Black Ops. Des opérations noires. Et donc, il a une formation mentale. Tous ces soldats-là ont une formation mentale au niveau de la conscience, de la volonté, de la lucidité, au niveau des voyages mentaux. Ils ont une formation. Ils ont ce qui nous manque à tous là, sur la planète. Parce que si on avait tous ça, c'est clair que les mouvements sociaux, politiques et tout ça serait vachement différent. Vachement différent. Ah, vite, 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 que ça vienne. Donc, ils ont... Son mari, non seulement pouvait lui donner un coup de main, mais même, elle pouvait en faire plus qu'elle, a priori. Il avait la capacité de l'expulser de son esprit. L'attaque Draco. Ici, c'est chez moi, tu me laisses tranquille, tu vois, genre. C'est ma bulle. Je refuse. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Je vais t'envoyer une brassée d'amour. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, mais bon, au moins, nous, on monte en vibration et là, peut-être que ça nous donne l'accès à d'autres voies, à d'autres tas de trucs. Et son mari lui a dit non, tu avais l'air vraiment flippé, là, complètement terrifié, quoi. Du style, c'était pas tant que ça, quoi. Elle est ouf.
Mais donc, voilà, expulser quelqu'un de sa tête, c'est une décision qui se prend à un moment donné de lucidité. En fait, ça vous réveille en même temps. C'est juste vous regrouper votre volonté pour dire juste. Et c'est un côté définitif, quoi, du style. C'est évident, quoi. Il n'y a pas de. Il y a une unité. Il y a une unité. On reprend. Donc, a priori, les attaquants ont remarqué qu'ils étaient sous hypnose. Donc, celui-là, là, qu'elle a dessiné, les a mis sous un contrôle mental accru. Puis, il l'a enlevé d'abord. Il l'a amené face à ta tête, à sa tête directement, et il lui a fait une prise de tête mentale. Il pouvait absolument lire sa panique. Et il a même pu la calmer. Et puis, il lui a dit, alors, j'ai pas vraiment bien compris, mais j'ai. Je vais dire que le Draco lui a dit, enfin le Reptos là, lui a dit ne te débat pas, ça me frappe, c'est toi qui frappes là. Non, c'est pour ça qu'il a calmé, quoi. Il y avait quelque chose. C'est pas compatible avec le fait qu'il se nourrisse de notre peur. Donc c'est pas. Il y avait autre chose qu'elle provoquait, qui lui a dit en disant mais ne le fais pas, ça me blesse. Non, il n'a pas dit tu me fais mal, il a dit tu me manges. Il n'a pas dit tu me cognes, il a dit tu me manges. Ne me regarde pas comme ça, en fait. C'est vous qui nous mangez. Et quelque part, elle a compris quelque chose là. Donc, depuis, elle ne mange plus de viande. Elle mange du poisson, mais pas de viande. Chaque fois qu'elle réessaye de manger de la viande, elle est malade et ces mots lui reviennent en tête. Donc, il est bien clair qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle les Pléiadiens sont en guerre aussi, se battent. Il y a beaucoup trop d'âmes emprisonnées sur Terre, emprisonnées dans le cycle. Ah, c'est intéressant d'avoir une confirmation de ce piège du tunnel de lumière là, et des cycles sans fin sur Terre par ce biais-là. Ouais, je prends. On verra si ça tient, mais en attendant, on prend. Donc, ce piège des âmes sur Terre est contre les lois universelles, à l'encontre. C'est la raison pour laquelle les Pléiadiens participent aussi et qui peuvent se permettre l'attitude borderline aussi. Attitude borderline vis-à-vis de la première directive de non-intervention avec une espèce. Quoique cette situation permette maintenant d'autres interventions encore par d'autres espèces bienveillantes, cette situation va continuer. C'est, je pense, la raison pour laquelle certains peuvent dire, oh, on a déjà gagné, parce que dans un futur, effectivement, tout le monde s'est mis contre les méchants. Il y a une loi, et là, ça ne va pas du tout, quoi. Ça impacte, a priori, beaucoup plus que juste la planète Terre, je dirais. Ça impacte justement la chaîne évolutoire, d'évolution, sur laquelle on peut trouver, entre autres, les âmes humaines. À mon avis. Enfin, je dis à mon avis, mais j'en ai déjà entendu parler aussi. Enfin, que ce ne soit pas une raison pour dire, oh, il n'y a rien à faire. Hein. Non, non, non. Non, non. Ça va marcher parce qu'on s'y met. Ah, c'est difficile, hein, cette situation de conception, là. Entre une notion du futur et l'action présente. Vous êtes en train de tirer l'eau du puits pour remplir une bassine. À la fin, la bassine, elle sera pleine. Vous pouvez déjà vous imaginer dans le bain dans une demi-heure. Mais pour l'instant, il faut mettre de l'eau. Elle nous dit, on pourrait vivre une meilleure vie, quand même. Eh oui, on pourrait vivre une meilleure vie. Mais une vie moderne, hein, par rapport à l'état d'esprit des années jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'homme comprenne que l'automatisation et l'intelligence artificielle allaient le remplacer. Il refuse d'y penser, hein, constamment, là, mais Uber, hop, voiture automatique, camion automatique, caisse automatique, répondeur automatique, bot pour faire les drôles, même pour faire les drôles.
Ils n'osent pas croire, en fait, que bah, quand j'étais petit, j'ai dit, bon, c'est vrai, la machine arrive sur les paysans et il n'y a plus de boulot, mais l'avantage, c'est que le blé, les tomates, le maïs va coûter beaucoup moins cher aussi. Et paf, j'étais ballot parce que les prix, ils n'ont pas baissé du tout. Ils ont continué à augmenter même. Et pareil partout, quoi. Et donc là, il y a un problème. J'ai dit, bon, ben moi, je pense que c'est les parents qui doivent régler ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Puis vous savez, on est petit à cet âge-là. Hein. Moi, j'avais quoi, 10 ans ou je sais pas. Alors, ce genre de truc, moi, je jouais à Tarzan dans les arbres. Hein. Mon truc, on était loin de là. Donc, voilà. Après, on oublie. Après, on tombe amoureux, puis après, on rentre dans la ville, on a les crédits, et puis on est à la force de l'âge et on le passe à faire des heures sup au lieu de justement se servir de ce boost d'énergie pour nettoyer la place. Mais on ne se doute pas que la place est aussi empoisonnée. On ne se doutait pas, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, bon, ben voilà, on le sait, c'est officiel, on a les preuves, et maintenant, c'est tout. Les autres là qui n'ont pas bougé à l'époque, ils ne bougent toujours pas plus, quoi, en fait. Heureusement qu'on peut au moins se mettre en contact les uns avec les autres, nous, et savoir qu'on est un peu moins isolés. Mais on est bien dispersés. C'est un inconvénient, hein, on n'est pas nombreux et très dispersés. Transformons-le en avantage. On est très dispersés. On est partout. Et on n'est pas nombreux, c'est plus difficile à attraper. Un fil entre les doigts. On reprend là. Non, parce que je parle là d'opposition humaine, hein, parce que dans les situations, c'est encore pire, encore autre chose. Mais bon, c'est pareil en pire, quoi. C'est juste pareil en pire. Donc la solution, c'est vraiment de s'occuper les uns des autres et de monter nos vibrations, s'occuper de ce qu'il y a de bien chez chacun, de ne regarder, pardon, que ce qu'il y a de bien de chez chacun. Et proposer son aide, à la limite, si on la demande, hein, pour ce qui n'est pas bien. Pour aider à réparer ce qui n'est pas bien. Mais il faut arrêter le stress de on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, tous ces règlements-là, il faut revoir ça, il faut revoir. Et il y a des bonnes choses dedans, mais il faut revoir. Faut regarder Michael Tellinger et son système Ubuntu. Ubuntu. C'est un système dans lequel on a accès aux énergies libres et on a repris contrôle de la banque. Voilà, c'est deux trucs. Après, tout est gratuit pour tout le monde, en échange de 4 heures de participation par personne par semaine, au départ en tout cas. Par personne par semaine. Et encore, à ce niveau-là, là, les technologies sur lesquelles il s'est basé pour estimer les besoins et les possibilités de réponse. Je ne suis pas sûr qu'il était au courant de toutes les technologies et de leur avancée actuelle moderne. Hein. Pardon. S'il y a des duplicateurs, par exemple, peut-être pas pour tout, des duplicateurs, peut-être pas pour la nourriture, mais pour les objets, ou. Allez savoir, hein, l'énergie du vide, oula, attendez, il se passe plein de choses, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, on passe dans les trous de ver, en fait. On fait du contrôle mental tête à tête, comme dans les bandes dessinées, Tintin et le Fakir. Il n'y a pas moyen de résister. C'est une capacité commune chez eux. Non, non, il faut se rendre compte, on a du boulot, quoi, on a du boulot. Mais on peut l'avoir aussi, hein, ces capacités-là. La preuve, c'est que des super soldats dans un certain état sont recherchés. Alors, est-ce que ça nous rajoute l'histoire de Mark Richard, interviewé par Kerry Cassidy, soi-disant pilote, mais accusé de meurtre ici sur Terre? Soi-disant pilote d'un de ces vaisseaux hyperdimensionnels, un des rares qui appartiennent à la flottille terrestre, paraît-il. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve très bizarre que ce gars-là, avec les appuis qu'il a, se tape de la tôle et puis soit des fois en danger. Je trouve très bizarre ce côté-là.
Qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui l'empêche de se faire descendre avant sa conférence, elle? Ouais. Parce qu'il y a des bons côtés, il y a un soutien, il y a du public. On n'est quand même pas dans la jungle la plus totale où les gens peuvent se faire descendre comme ça en ville. Ça, pas trop d'un coup, quoi, on va dire. Hein. Depuis quelques années, déjà, ils ont un joli palmarès de whistleblower et retiré de la bataille. Mais bon. Comme les gens, on peut les empoisonner en masse avec des chemtrails, avec des vaccins, et ils ne réagissent pas. On les empoisonne, mais c'est un crime, ça tue, hein, l'empoisonnement. Ça prend juste plus de temps, quoi. C'est moins rapide, suivant quel poison. Mais ça se fait pas. Ça, c'est pas gentil du tout. Et donner une fausse explication dessus, c'est pareil, quoi. Comme ils le font avec les vaccins, pourquoi ils gênent avec les chemtrails? Les gens connaissent à moitié rien, et sinon, ils ont confiance. Et puis, quand vous avez votre clapet, en général, vous perdez des vues, hein, rapidement, voire la chaîne. Bon, alors. Reprenons. Alors, elle dit qu'au niveau des capacités psychiques, c'est vraiment le fait de monter ses vibrations qui permet l'accès à ses capacités. Donc, elle a eu des attaques psychiques de la part de reptiliens. C'est aussi comme ça qu'ils vous attaquent sexuellement. Et beaucoup de gens ont cette expérience de viol psychique, enfin, de viol physique, mais psychique. Et donc, on n'en parle pas beaucoup parce que ça embarrasse les gens, évidemment. Donc, elle sait un peu de quoi elle parle parce qu'elle a fait des études en psychologie. Et donc, elle peut aider les gens et elle va continuer à le faire. Beaucoup de gens subissent des attaques démoniaques. Ils ont des attachements à ces sortes d'implants psychiques. Des, comment j'appelle ça? Des kystes. Des sangsues. Ah, toute une faune qui fait du vampirisme énergétique globalement, en résultat des courses. Non seulement il y a du vampirisme énergétique, mais en plus, elle vous brime dans vos capacités. C'est ça aussi le problème, quoi. À la limite, on pourrait partager l'énergie. Non, mais en plus, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas à 100% du tout. Vous êtes bien moindre. Donc, en plus, vous n'arrivez pas. Je prenais pas vraiment ce côté-là en considération. J'étais très débonnaire, je disais, bah, on peut participer à la chaîne alimentaire, quoi. Mais non, mais là, le problème, c'est que il nous brime, il nous bride. Ah ouais. Donc, en plus, on n'arrive pas à avoir une expression humaine satisfaisante. Ce qui participe à la situation, du coup, évidemment, à nous laisser victimes. Mais bon, il peut y avoir différentes entités, hein, qui vous font des attachements, comme on dit. Il y a beaucoup plus de contacts maintenant, les ETs, les interdimensionnels, suite à cette situation de conflit actuelle à laquelle participent maintenant des entités de dimension haute, donc bienveillantes. Voilà quoi. La cavalerie arrive quelque part. Non, mais vous savez, quand il y avait un conflit sur le terrain, là, c'est pas parce que d'un coup, il y avait des bombardements alliés qui nous soutenaient, qu'il n'y avait pas quelqu'un dans la tranchée d'en face qui était encore armé et qui vous aurait allumé si vous vous leviez. Hein. Même au moment où ils ont signé l'armistice, sur place, là, il y a des endroits où ça a duré encore pendant des semaines, voire des mois, voire des années au Japon, paraît-il. Il y avait des mecs là, qui s'étaient camouflés, ils sont sortis 10, 20, 30 ans après de la jungle, ils croyaient qu'il y avait encore la guerre. Pour dire dans quel état ça peut vous mettre un conflit hein, après. Même s'il n'y a rien, vous y êtes, quoi. Même si ça fait 20 ans que vous n'avez pas pris un obus sur la tête, mais pour vous, vous n'êtes pas encore en paix. Tellement vous avez été traumatisé profondément. Non, mais un conflit, que ce soit une guerre civile ou pas, c'est plus jamais ça pour tout le monde qui a survécu, quoi. Les gens, ils peuvent plus, quoi. Ils disent, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, en tout cas, s'il y a des petits chevaillons qui veulent se bagarrer, là, ben, on leur fait un ring. Hein, on leur fait un hexagone, comment on appelle ça là? Et vas-y! Tu voulais te faire quel pays là? Voilà! Tu prends le chef d'en face et puis on regarde. Alors vous allez sûrement commencer par discuter. On veut voir vos arguments. Les vérités vont se faire. À la fin, si ça se trouve, vous avez remarqué que vous êtes deux pantins manipulés.
Mais bon, que vous soyez manipulés ne vous oblige pas à nous manipuler nous aussi, puis nous envoyer tous au casse-pipe. Plus jamais ça. Donc, il y a eu des pertes de vaisseaux des deux côtés, au niveau bataille cosmique. Mais la bataille continue. Évidemment, on ne voit pas ça facilement à cause de tous les chemtrails. Alors, flashback à la photo où on avait le... Je vais la remettre. Celle-ci. Bon, là, a priori, l'entrée et la sortie du tube sont côte à côte. Ou si c'est une entrée et une sortie, si ce n'est pas un vaisseau qui est sorti là du tube. Sinon, regardez voir. Par exemple, là, dans l'alignement, vous avez presque comme un conduit de nuages. Vous voyez, là, il y a un flux de nuages, presque. Hein, est-ce qu'il va sur notre tunnel? Non, pas vraiment. Mais sinon, des fois, vous pouvez regarder. Là, vous voyez, il y a un halo. Alors, et puis, il y a ce suivi là derrière. Est-ce qu'il y a un suivi ici, comme ça, là, qui nous amène paf ici? Des fois, vous pouvez voir, en fait, l'impact sur les nuages, l'impact sur les environnements d'un objet énergétique invisible, comme un vortex, comme un portail, un wormhole. Voilà, histoire de dire quoi. Et sinon, si vous allez voir What is in our sky, Sean Gautreau dans Industrial Surrealism, il va vous dire, mais vous voyez le triangle là quand même de base. Et puis il va vous dire, mais en fait là, tac, 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 on a toute la découpe de la ligne arrière du TR-3B, on va dire, par exemple. Quoi. Il va dire, donc, vous ne voyez pas le TR-3B, mais vous voyez dans les nuages la découpe. Donc, chez Sean Gautreau, là, Industrial Surrealism, notamment la vidéo du début, la vidéo numéro 19, il récapitule tout ce qu'on peut voir dans le ciel, depuis les schismes visuels, carrément, par endroits. C'est assez bizarre, mais je ne suis pas globiste, hein. Enfin, je ne dis pas qu'on est sous un globe, je ne suis pas domiste. De toute façon, dans le ciel, là, avec tous les chemtrails, donc ça nous gêne énormément pour regarder. Puis les gens regardent rarement en l'air. Et bon, ben, c'est un petit peu comme une guerre froide, du coup. Il y a quand même pas mal de vidéos, des fois, avec des lumières pas croyables, inexplicables. Énormément d'orages sans bruit, mais juste lumineux, mais trop bizarre. Et enfin, beaucoup d'autres choses. Il y a aussi les bruits étranges qu'on entend un peu partout. Mais là, comme c'est toujours un peu les mêmes genres de bruits, je trouve ça étrange, moi, que ça ne sorte pas finalement tout de la même machine. Quoi. Un TR-3B avec un bon ingénieur du son là-haut. Le mec, il s'éclate. Sinon, quelle fréquence il met, il vous met dans tel état pour qu'il vous amène à penser telle chose. Sans même faire du contrôle mental des pensées. Rien que par la vibration. Il vous met en angoisse, et dans l'angoisse, tel genre d'angoisse. Ouais. Je pense même qu'ils ont un rayon qui vous envoie tous aux toilettes d'un coup. T'imagines. D'un coup, tout le monde avec la courante, part en courant. Viou, 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 viou. Bon, on reprend. Tu vas en filer en cacatof, là. Donc, à un certain niveau, les Russes et les Américains collaborent sur les SSP. Donc, elle s'est retrouvée confrontée à des soldats qui parlaient américain très bien, mais qui étaient russes. Et ils ont la capacité, il y a une capacité de communiquer Vetuka, donc de la voix au cerveau, la voix de Dieu qu'on appelait. Mais maintenant, c'est Voice and Vision, c'est-à-dire la voix et la vue. C'est-à-dire que non seulement vous avez une voix dans la tête, s'ils veulent, mais en plus, vous avez les images. Alors, il y a un film qui en parle de ça. Mais j'ai pas le titre en tête. On est complètement dans le monde informatisé. Il y a un Wi-Fi entre tous les cerveaux des gens. Mais il y a certains qui ont des droits d'accès et des droits de réserve. Les flics, quoi, en général, quoi.
Tandis que le public, lui, si on lui dit que tu faisais quoi hier, ils vont voir ce qu'on faisait hier, à telle heure. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a un gars là qui les gêne. Et donc, lors d'une de ces promenades où rien ne se passe, normalement, là, il prend la voiture, il va faire un tour en voiture, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Et au moment où il s'engage, en fait, il y avait du monde, mais ils lui ont fait voir personne. Bon, on reprend. Juste pour dire qu'une fois de plus, dans un film, il y a des trucages, enfin des gags, des gadgets, comme dans les anciennes James Bond, qui existent vraiment. Bien, maintenant, passons aux arachnoïdes, qui étaient donc nos anciens alliés, a priori, les arachnides géantes, parce que araignée, arachnide, c'est pas forcément, enfin, c'est la même famille ici sur Terre, mais là, a priori, c'est pas le même camp. Ils sont là depuis des millions d'années, ils sont bienveillants. Elles vivent sous terre. Elles ont des sortes de fermes sous terre où elles créent des substances qu'elles mangent. Donc, pas des humains. Elles font un peu de la culture, comme des fois il y a les fourmis qui font de la culture. Elles sont précogues, c'est-à-dire qu'elles arrivent à voir le futur. Dans son esprit, elle n'avait jamais été préparée à cette confrontation avec une arachnide. Elle pouvait lire mon esprit. Mais alors, comme dans un classeur. C'est-à-dire qu'elle lui sortait les mémoires, elle les regardait, oh non, c'est pas celle-là, et hop, elle lui remettait dedans. Et l'autre, elle est là, mais c'est dans ma tête. Quelle est? C'est avec mes souvenirs du style, ah, mais je me rappelais pas non plus de celui-là. Ah, mais c'est là que j'ai foutu les clés. Genre. Bon, les dracos ne font pas ça. Hein. Ils peuvent se connecter, pas à ce niveau-là. Pourtant, elle a toujours eu peur des araignées. Mais là, non, ça a été. D'ailleurs, elle a un fils hybride. Il est dans un MyLab, MILAB, un laboratoire militaire. Et donc, elle aimerait bien le rencontrer, mais elle ne tient pas trop avant d'être sûre de ne plus avoir sa phobie des arachnides. Parce qu'il pourrait lire mon esprit et voir. Vous comprenez? Elle n'a pas envie de confronter à lui, avec la possibilité pour lui de voir qu'elle a en fait peur de lui, alors qu'en plus, c'est censé être son fils. Enfin, il a de son ADN à elle. Donc c'est assez drôle, mais en fait, bon voilà, elle a cette précaution, cette délicatesse émotionnelle de ne pas avoir envie de lui montrer qu'il risque de la rebuter. En plus, quand tu fais un câlin avec une araignée, là, c'est vraiment une embrassade. Faut demander à Bilbo. Bon ben voilà, c'est pas du tout une comme le. La veuve noire de la Noréa. Non, non, non. La vallée de la Noréa. Non. Elles sont bienveillantes. Mais maintenant, voici un guerrier noir, arachnide. Bon, je pense que c'est une illustration, hein, la photo, là. Bon, même si elles étaient très guerrières, elles sont maintenant en communication avec les arachnides et sont donc en train de changer, a priori. Et de devenir bienveillantes. Elles auraient mis l'humanité sous leur protection. Et elle a aussi été en contact avec une arachnide de dimension supérieure, au niveau mental, hein, dimension énergétique, spirituelle. Un être magnifique, avec laquelle elle a donc eu un contact où elle a parlé de leurs croyances à eux, aux arachnides. Leur notion de Dieu, quoi. C'est intéressant, hein? Comme Par contre, on aimerait bien savoir, hein, mais là, elle nous le dit pas. Donc, elle nous dit qu'il faut bien se rendre compte que vous pouvez imaginer ces rencontres extraterrestres du cinquième type, hein, donc avec des êtres style pléiadien, très aimants, très doux, très. Mais qu'en fait, vous pouvez aussi être confronté à d'autres espèces qui ont un aspect beaucoup moins avenant et qui ont la même intention bienveillante.
Et donc, voilà pourquoi aussi la maîtrise de nos propres émotions et notamment des réflexes de répulsion, hein, oui, de répulsion, on va dire, sont à maîtriser, par politesse, quoi. Vous ne voulez pas blesser les gens. C'est. Voilà, quoi. Vous comprendrez. Et donc, voici, on arrive à sa conclusion et elle dit tout ça, tout tient à l'amour et au pardon. Et voilà, et elle nous remercie, et c'est la fin de la vidéo, et on la remercie, et je vous remercie. Et bon courage, et j'ai fait assez d'encart pour finir rapidement. Salut!